journée ça lui même lui représentait une grosse journée pour nous parce que jodi a même gens que terme Nations Unies ça dit pour chaque enfant tous ses droits. Donc jodi a OCED lui même en tant qu'organisation qui engagée dans droit protection ti moun nous senti nécessité pour nous réunir communauté a parce que situation critique li chaotique. Donc activité ça li rentrer tout dans cadre d'un plaidoyer qu'a fait tant national qu'international pour tout le monde capable prendre conscience pour nous connaître aujourd'hui nous pas une société sans timoun yo nous pas une société sans ensemble de droits ça que nous ouais qui écrit là donc timoun yo négligé droit yo négligé droit à la santé droit à la vie droit à l'éducation droit au logement au loisir donc c'est qui société n'a préparé pour demain bon c'est que travail ça c'est travail chaque grain haïtien. Chaque grand citoyen pour nous camper, pour nous dire que si nous avons une place dans la société, il faut que nous ayons vraiment une communauté qui a réfléchi. Il faut que l'État lui-même, dans le budget, soit capable de gagner moyens, l'argent pour permettre à ce que l'institution qui a pour aider Timoun soit capable vraiment de mesurer pour accompagner Timoun. Bon, situation ça, donc c'est une situation que nous-mêmes, nous dénonçons et que nous-mêmes, même dans la nationale et internationale, parce que si moun yo lè yo toujours dit ça c'est que à chaque fois gen déplacé ti moun yo pi vulnérable ça veut dire que ti moun yo nou gen pile cas de mineurs que yo violé présentement quand m'a parlé là nous gen mineur qui était né de 13 ans que yo même mineur là li porté disparu depuis en mars donc lè yo joine mineur là yo té séquestré li yo joine tout enceinte donc m'a besoin d'un ti moun 13 ans qui enceinte dans qui situation lié donc ça veut dire que situation ça yo donc li pas bon pour société, li pas bon pour timoun yo parce que timoun yo besoin vivre dans un environnement qui sécuritaire. Timoun yo besoin l'école, yo besoin pour former tête yo et c'est des cerveaux. Donc si nous dit timoun jodi grand monde demain, faut nous commencer jodi a. Mais jan situation est là si nous pas commencer le plus rapide possible, c'est que dans 10 ans ça qu'a produit là la retourner reproduit encore si toutefois que la presse, société civile, l'état nous tout nous pas faire en solidarité. Pour nous retirer de Timoun dans la situation aujourd'hui. En 2018, nous avons fait une évaluation des maisons d'enfants. Nous avons fait ça EDOS, évaluation et documentation sociale des enfants. Nous avons fait EDOS et les salons de dénombrer, il y a plus de 700 maisons d'enfants qui sont dans le pays. Là-dedans, là, nous avons fait un pile qui est de bonne qualité. Il y a pas de bon. Si les gens qui sont là, oui, c'est un phénomène qui là qui existait depuis longtemps. Il y a des parents qui démissionnaient. Les parents qui démissionnaient, qui étaient les gens, ou bien pas qu'ils soient en santé, pas qu'ils soient en école. Il y a des gens qui séparent des familles, qui prennent la rue pour eux. Mais il y a des gens qui sont dans la rue, c'est les parents eux-mêmes qui voient le travail dans la rue. Nous-mêmes, nous gagnons pour responsabilité, pour nous travailler avec Timoun Sayo. Dans le là-dedans, nous prenons et nous mettons dans des centres fermés. Au regard même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que nous avons droit à la vie, droit à la santé, droit à l'éducation, mais dans le cas de Timoun, il n'y a pas seulement des droits sociaux, mais il y a des droits spéciaux. Qui même dit droits spéciaux, qui donc Timoun qui doit faire en Haïti, au regard de la Constitution, nous connaissons que ça relève la loi du sang, qui donc par un lycée haïtien, mais automatiquement lycée haïtien. Mais si le fait non, l'autre pays, par exemple, qui est aux États-Unis, au Canada, automatiquement, Timoun ça a tout pour une nationalité. Ça. Qui donc, Timoun, je dis, pour moi, c'est vraiment un plaisir, surtout pour moi, comme professeur. Donc, je pense que je vais parler vraiment de droit, Timoun qui c'est droit, je vais dire droit spécial. Par exemple, droit pour Timoun à manger, droit pour Timoun à l'école, droit pour jouer. C'est raison ça pour moi, je dis, que c'est 20 novembre, eh bien, je déclare, Nations Unies et déclaré journée ça comme journée mondiale des droits de l'enfance. Je me sens fier à des têtes, moi, je me sens content parce que je suis là avec Timoun, les Timoun qui sont dans la rue, je suis dans la position, je suis dans le même côté avec moi. Ça me doit être pour les gens qui sont dans la rue. Des fois, je prends la machine dans le sol, par exemple. Quand qu'on fait mal, qu'on y a pas mal dans la rue, bloquant tout dans les, pour me dire même qui n'a pas la place, pour me dire marcher à part, et puis yo même dans la rue, y a dormi la pluie par la pluie, y a dormi dans la rue, quand qu'on fait mal pour yo. Ça me doit mais pour faire pour tout le monde qui dans la rue, nous t'as juste fait l'école pour yo, nous juste fait un gros cas pour yo, pour nous calmer ensemble pour yo vivre ensemble.